Alors, les 9 actus F1 du 4 avril 2023. Alonso se sépare de sa girlfriend Andrea Schleicher. Terrible, coup dur. Oh non, c'est d'un commun accord. Hein. Ils vont rester en contact. Sauf Noah, le double abandon de Melbourne va coûter cher à Alpine. Oui, tout à fait. Hamilton se réjouit de l'amende salée que doit payer Nelson Piquet, le raciste. Ses spectateurs ont frôlé le pire lors du crash de Ken Magnussen. Eh oui, le débris qui a touché son bras. Ça a été une blessure, on va dire, superficielle, mais ça aurait pu être bien pire si ça avait touché son cou, par exemple, imaginez. L'horreur totale, quoi. Il revient de loin, il devait pas mourir ce jour-là, lui. Le trio sur le podium de Melbourne établit de nouveaux records. Alonso pense que la pénalité de Sainz n'est pas méritée. Ouais, bon, enfin bon, après, ça l'arrange bien quand même. Enfin, ça arrange surtout son équipier, pour le coup. Massa exige de récupérer son titre qu'il juge volé en 2008. Felipe, attention, hein, il est pas content. Bientôt une course de nuit à Melbourne, et enfin la dernière. Russell, Red Bull se cache pour ne pas qualifier à l'Irlantis. Ils pensent qu'ils ont 7 dixièmes de marge au moins. Ok, bon ben, à voir ce que ça donnera par la suite, c'est 7 dixièmes de marge ou pas. À demain pour la suite.